El despertar de las ánimas. Si les contes endorment les enfants, les mythes et légendes éveillent parfois la conscience des hommes ayant cessé de croire. Et c'est à coups d'éperon dans les flancs, aux côtés de nobles chevaliers catalans, liant l'histoire, l'épée puis la légende, que j'éveillerai les âmes jusqu'aux origines des couleurs sang et or. Retranché dans mon antre du perceptif et du sens, si le goût des découvertes et expérimentations s'instaure de nature, mes séances en plein air me font toujours investir des lieux d'humeur changeante et saisir l'essentiel d'une région. Des silhouettes et attitudes bien sages croquées au coin des rues ou sur une place de marché, à l'écriture farouche de chevaliers en armure, c'est en Catalogne, terroir montagneux et côtier, propice à la naissance de nombreuses légendes, que les cités portuaires, villes et lieux les plus reculés, me contèrent les exploits d'un personnage emblématique. Guifred le Velu, comte d'Urgell, de Barcelone et de Girona, fondateur de la patrie catalane et à l'origine des quatre barres sang sur fond or. Mon inspiré d'aujourd'hui fut d'ajouter à mon exploration permanente faite de copal et d'ambre un souffle épique. Padre à Port-Vent, où je réside, dans les Pyrénées-Orientales, me fait toujours carillonner les tempes comme dans un jour de fête. Comme dans un charivari incessant, où s'organisent malgré tout les masses et dynamiques architecturales des cargos et petits bateaux, un chalutier au ventre plein rentrant au port et couronné par d'habituels convives, vient rompre la verticalité et monotonie des façades. Un port où intimisme et gigantisme s'accordent dans des lois immuables. Des lois que je ne saurais transgresser au risque de me perdre dans un dédale de formes, de jeux d'ombre et de lumière qui s'aiment ici depuis toujours et dont je tempère l'ardeur lors de mes longues séances de travail. Chassé par une tramontane ou le midiourne, je délaisse mille facettes de vie qui miroitent gaiement. Comme un môme candide, j'emporterai alors mon précieux butin et regagnerai mon atelier où je laisserai courir toute une farandole de couleurs. Gueulantes et racolant de vieilles croûtes en pleine pâte, des fanions colorés de petits métiers côtoieront étrangement les hampes vibrantes et lancent giflées de gonfalons et bannières, de seigneurs et vassaux en train d'armoyer. Car c'est en effet aux côtés de Guifred que je combattrai dans un vacarme étourdissant. Jouissant d'un temps de paix propice à la création, je m'étais en effet emparé d'une légende, d'un mythe dont l'écriture enluminée nous amène parfois à lire toute la grandeur des hommes pour en oublier toute leur fureur. De nombreux croquis et dessins, aux multiples études de couleurs avant l'achèvement du grand œuvre, me fit côtoyer de vaillants et féroces guerriers, alternant l'épée et le bouclier, hurlant et jurant dans de violents et féroces affrontements. Ainsi, ce fut tout un jeu inépuisable de figures géométriques, s'interpénétrant avec les configurations de chair et d'armure, qui me fit m'orienter vers l'intérêt humain, à traduire dans des rapports et contrastes de situations le caractère entier des hommes qui s'opposeraient. À la fois peintre et guerrier, je m'étais investi dans des rôles que je ne maîtrisais plus. Étourdi et chancelant après tant de combats acharnés, mes brosses empourprées jusqu'à la garde, comme des pommeaux glissants, m'incitaient à un repli et une possible trêve jusqu'au monastère de Santa Maria de Ripoll, dans la province de Girona, afin de me recueillir sur le tombeau de Guifred et écouter les chants sacrés. L'intérêt suscité par le conte, ainsi que l'origine du drapeau catalan,
me fit en effet imaginer une toute autre version que celle transmise depuis des siècles dans des légendes aussi diverses qu'improbables. Me gardant bien d'ouvrir le débat, je m'étais seulement attaché à un geste unificateur et emblématique d'une empreinte de doigt ensanglantée, le restituant au sein d'une bataille et expression libre puis enthousiaste. Sans aucune autre prétention que celle de s'unir au tumulte des formes à l'aide de matières, de couleurs et de rythmes, ce fut sans aucun doute le prétexte à composer l'idéal chevaleresque, où équidés et humains, dans le même fracas, édifièrent l'échafaud, d'où les plus valeureux, dans un ultime souffle, brandirent les symboles de toute la Catalogne. Renouant aussi, plus près de nous, avec Jacques Gamelin, peintre de l'armée des Pyrénées-Orientales, commandé par le général Dugommier, un artiste qui témoigna de ses campagnes, loin d'un vocabulaire enchanteur. Des marchés et scènes portuaires où résonnent mille palabres et la corne de brume, je m'étais laissé emporter sans crainte au-delà du cadrage, dans une trombe dantesque au travers les siècles, où résonne encore l'olifant. Mon écriture farouche et galopante monta alors à l'assaut des espaces laissés vierges, engageant le processus infernal d'une profonde mutation des sens. Et si en des cœurs ombreux de la bataille, l'on s'empoignait dans les ultimes étreintes, pour mordre dans l'échine telle des prédateurs se disputant un point d'eau saumâtre, sillonnant l'espace-temps, j'avais rattrapé des notes brunes pour les faire ressurgir au bout de mon nez, mon souffle en suspension, avec l'ineffable sentiment d'avoir éveillé les âmes. L'exposition, Entrée libre, vous fera découvrir plus d'une cinquantaine d'œuvres originales en présence de l'artiste. Des paysages de la côte et scènes de vie, aux guerriers puissamment ancrés comme des rocs millénaires, jusqu'au pic du Canigou, qui, tel un vétéran d'une vieille garde arborant ses moustaches blanches, semble veiller à la survivance de leur récit.